c'est vrai. Comme ça, à part si ça passe, c'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour avec vous sur les superbes et provençaux carrés d'honneur de Valréas pour suivre ensemble un des quarts de finale du Supranational 2021. Une partie que je vais commenter bien sûr avec l'ami Stéphane Cagnon. Bonjour Stéphane. Salut Pierre, bonjour à tous. Et une partie qui va opposer deux équipes de très haut niveau, bien entendu. Ça va être Pierre Morel, Dylan Cano et Joey Casal face à la famille Molinas, Vigo Dubois, Tyson et Ben Molinas. La partie commence à l'instant. On va, voilà, avec un carreau de Ben Molinas qui suit un carreau de son fils Tyson. Et là, maintenant, dans le rond, c'est un garçon qu'on a découvert essentiellement en 2019, puisque Joey Casal a été à la fois le vainqueur du mondial de la Marseillaise cette année-là, et puis il est devenu également champion du monde junior. Et c'était lui qui est à la manœuvre avec ce joli coup double. Le bouchon a démarré, il est parti dans le jeu d'à côté, vous le voyez. Avec maintenant, on va jouer à une douzaine de mètres en fond de cadre. Voilà, il s'est repris pour Vigo Dubois. Lui, il a gagné 4 fois le mondial à Marseillaise. Ouais, belle reprise. Hein. Comme tu l'as dit, la distance est vraiment allongée. Il a quasi embouchonné en ras la ficelle. Alors qu'on continue à... On va être, je l'ai dit, on va à peu près à 12 mètres, Stéphane. Hein. Oui, les terrains font 15, donc on est un petit peu en travers, donc on doit être dans les 12 mètres, oui. Ouais, je vais Casal, Pierre Morel et Dylan Cano, une partie qui a notamment disposé hier de celle de Kevin Philipson. C'est bien tiré. Ouais. Alors à peu près 80 cm pour Vigo Dubois pour regagner ce point. 80 cm devant et beaucoup moins derrière parce que le bouchon doit être à moins de 50 cm de la ficelle de fond de cadre. Ah, c'est court.
On discute entre Pierre Morel et ses partenaires pour savoir la conduite à adopter. Pierre Morel qu'on a pu voir la semaine dernière sur tous les écrans en finale du Mondial de la Marseillaise. Yuren est parti pour tirer. Hein. Mais non, ça ne sera pas droit. Et ça sera un point pour Molinas. Ouais, ce but qui a bougé a un petit peu changé la donne hein, dans cette. Dans cette partie, parce que l'équipe Molinas avait déjà frappé trois fois d'entrée. Ouais, en même temps, Joël Cazal avait frappé les deux boules ensemble hein, avant de faire démarrer le bouchon. Allez, on joue très long hein, ici, on est proche des 10 mètres. Allez, c'est bien entamé, très très bien entamé pour Vigo Dubois. Vigo Dubois qui sollicite directement Joël Cazal. Bien, 3 sur 3 hein, pour Joël Cazal qui démarre fort. C'est encore bien joué. Une boule placée un petit peu en arrière. Donc, on va pointer du côté de Morel. L'arbitre, hein, vous l'avez vu, qui a fait une petite réprimande à hein, Pierre Morel. Il avait jugé qu'il avait un petit peu trop touché le terrain. C'est encore bien tiré. Deux points au sol pour Morel. Ouais.
la belle reprise de Ben Molinas. Après, on le répétera pas assez, un joueur très très complet, hein. Ben Molinas, au point, au tir, c'est vraiment une valeur sûre. Très très peu de déchets. Allez, 3 boules à 2 pour Molinas, mais 2 points sur le tapis hein, pour l'équipe Morel. Hop, hop, hop. Ah, elle est partie. Elle a perdu le premier point. Et là, c'est interdit de tirer, hein, parce que la boule est venue se mettre un petit peu derrière la boule adverse, hein, qui peut éventuellement entraîner un contre, donc on va pointer. Ça, c'est mieux. C'est repris. Et une boule entre les mains de Pierre Morel pour marquer tout simplement. Non, ça sera un point pour Molinas. Allez, c'est parti pour la troisième main. Première boule manquée pour Joey Casal. Il y avait la distance, mais pas droit. Hein. Ça va être compliqué de regagner ce point, il est à 30 cm. Bien vu Pierre, on va repartir au tir.
On a vu des équipes ce matin pointer sur ce type de point, mais c'était pas le même style de jeu. C'était pas les mêmes options tactiques. Hein. Ah, il y a un coup à gauche, un coup à droite. C'est manqué double. Manqué double sur un bon point comme ça, c'est toujours un petit peu grave quand même, parce que on voit pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire là maintenant, Morel et Canon. Alors, ce qu'ils vont faire, on s'en doute, mais est-ce qu'ils vont le réussir? Ça, c'est pas évident. Ah, s'ils ne réussissent pas à gagner le point, on se posera encore des questions. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. C'est parfaitement réalisé par Tyson Molina. Ça fait plaisir de revoir Tyson au bout d'un national après plusieurs saisons, enfin demi-teinte. Des saisons qui ont suivi son titre hein, individuel aux France. Avec quand même des beaux parcours, hein, notamment, je pense notamment au Mondial de la Marseillaise. Hein, mais. Oui, on l'avait vu un petit peu en souffrance sur quelques. C'est un grand joueur, donc on s'attend à le voir apparaître fréquemment à haut niveau dans les années qui viennent encore. On dirait qu'il n'est jamais aussi bien que quand il joue en famille comme ça, avec son père, avec son oncle. Alors cette boule est un peu courte, elle est un petit peu dans le jeu, même si effectivement le jeu est quand même un petit peu plus haut. Allez, il va rester deux boules hein, pour ça c'est pas mal. Ah dommage, elle est redescendue un peu trop vite, il avait bien joué avec le petit coup de main par le haut. Il avait joué même très très haut hein, pour vraiment éviter la boule à Pierre Morel avec le petit effet rentrant, mais elle est redescendue un petit peu vite. En tout cas, avec cette gauche gravillon, là, c'est un jeu qui est sympa pour ceux qui aiment tourner la boule, faire des effets rentrants. C'est un sol qui les prend bien, ces effets-là. Voilà, ils ont essayé de fermer la boutique, là, l'équipe Morel. Est-ce que ça suffira face aux 4 boules en main hein, pour oui, l'équipe voilà, Molinas face, c'est ça, face à ces 4 boules qui restent. Alors, a priori, on va tirer la boule devant, si j'ai bien. Voilà, de manière à savoir tout de suite s'il y a un contre ou pas. Et puis, la boule qui est complètement à gauche de votre écran. En cinquième position, c'est la boule de Tyson Molinas. Allez, la première va être déterminante hein, pour la suite de la main. Aïe. Alors, on va pointer gentiment. Parce que. C'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de Hugo Dubois. Alors que l'animateur du concours, Jean-Louis Casbajou, là, nous apporte quelques documents là, qui vont nous être précieux. Alors en chiquant cette boule, je ne sais pas s'il a forcément arrangé la situation, parce que comme le jeu est passé un petit peu en haut, là ça va. Je pense qu'il va envoyer Vigo Dubois avec un petit effet rentrant gauche-droite.
Oulala, là par contre, il a envoyé très court. Moi, je pensais qu'il allait envoyer beaucoup plus loin. Et finalement, ça ne devrait pas faire un très gros repas là, pour les Molinas. Alors c'est bien joué mais c'est court. Toujours un seul point au sol. Ouais, je reste persuadé avec cette boule chiquée là qui est remontée sur la droite, ça va un petit peu compliquer la tâche pour le point, même si ce sont des joueurs de grande valeur. Allez, dernière boule de la main, il n'y a pas eu de rajout hein, pour l'instant. Ah, ah, c'est bien, oui, ça c'est très bien joué, ça sera deux points. ...4-0 pour Molinas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Doucement mais sûrement. 4-0 à l'issue de cette troisième main. Ah, deux échecs hein, de jeu Casal en début de main. Là, on a un peu scellé la main, malheureusement. Ils peuvent s'en contenter, là, l'équipe Casal, parce que franchement, ça pouvait être pire. Hein. Avec le point par terre et 4 boules en main. Vigo Dubois qui continue à pousser. Qui méritait peut-être un tir, mais bon, on a choisi l'option d'en approcher une dans un premier temps, et on a eu raison. J'ai joué. Beau duel de pointeur là, hein, dans cette partie. Voilà, et c'est au tour de Tyson Molinas de manquer double. Ouais, il avait démarré par 3 frappes et il a enchaîné par 3 trous. 50%. On va continuer à tirer du côté de la famille Molinas. Et là, dans la famille Molinas, je voudrais le père. Oh, c'est encore manqué, alors là, ça devient chaud quand même. Hein. Et c'est vraiment une belle main de remonte là, qui se présente pour Pierre Morel. Pierre Morel qui est l'artisan de cette main avec cette belle reprise. Mais c'est lui qui a pris la décision hein, de pointer. Ouh là là, une boule qui est complètement rendue par Vigo Dubois.
Attention, il n'y a qu'une seule boule en jeu pour cette équipe. Et 5 boules contre une pour ses adversaires. Allez, alors maintenant c'est. Tout va dépendre de. Des deux tirs de Joey Casal. Alors on lui demande à Joey Casal s'il préfère pas tirer la boule qui est en arrière du bouchon pour commencer. Effectivement, s'il était un peu court et qu'il tombait sur le bouchon, ça lui procurerait 4 points. Oui. Allez, déjà faire de la place. Non, il a préféré tirer. Ouais, alors est-ce qu'il a pensé peut-être faire un petit ciseau là éventuellement? En tout cas, il a repris sa marche en avant. Hein. Il avait manqué deux fois la main. C'est surtout celle-là qui compte, parce que cette boule, elle peut lui procurer une main de 4, 5, peut-être plus. En plus, ça va l'obliger à lever la main, donc ça peut être un carreau. Oh, c'est très bien tiré, deux points au sol. Je pense qu'on va choisir de pointer, d'en faire 5 tranquillement. Alors ils auront attendu la quatrième main pour débloquer le compteur, mais ils vont le débloquer de fort belle façon. Voilà, c'est fait. Morel mène 5 à 4. Voilà, et vous le voyez, les quarts de finale sont les quarts de finale qui entourent cette partie. Vous les découvrez, hein, Robino contre Rocamora, Baquin contre Loi et Andrea Anciano contre Puccinelli. Voilà, on peut dire que la partie est lancée, Stéphane. Là. On n'avait pas encore imaginé un solo de la part de la famille Molinas parce qu'on était qu'à 4-0 et à la quatrième main, mais là les choses ont été remises. Alors certes, grâce ou à cause des trois trous de Tyson et de Ben, mais bon, ils ont su en profiter. 5 points, partie totalement relancée. Allez, il va falloir bonifier cette main là de 5 points en démarrant bien celle-ci. Pour Pierre Morel, pour tout de suite remettre un petit coup de pression. Ah, c'est très bien joué. Pierre Morel qui est devenu peu à peu pointeur de premier plan. Il y a deux passions, Pierre Morel, la pétanque et la boxe. Et je peux dire aussi l'OM, je crois. Également, mais alors là, comme la moitié du sud de la France, c'est une partie du nord. En tout cas, cette année, on voit les vrais amoureux de l'OM. Hein. Les rangs se sont éclaircis. Allez, Taï qui a repris sa marche en avant. Et voilà, et la réponse du berger à la bergère. Sur 9 hein, pour jouer Casal, très très belle moyenne.
Et un bon 60 cm hein, pour Vigo Dubois. Gazelle qui a fait un parcours assez bref hein, cette année encore au Mondial de la Marseillaise. Il avait perdu l'an dernier le dimanche et cette année en compagnie de Dominique Lacroix. Il s'est incliné aussi rapidement. Allez, c'est encore cadré. Ouais, sans problème, hein. Il avait la même place pour le regagner. Par contre, on parlait de grand pointeur, là on en a encore un autre, c'est Vigo Dubois, c'est un des plus grands pointeurs français. Un petit peu oublié du Club France, lui aussi. Alors, avantage de boule hein, pour la famille Molinas, mais le point est pour l'équipe Morel. Ah, c'est bien tiré. Et un petit carton délivré par l'arbitre européen Daniel Rive. Pour avoir mordu le rond. Oui, derrière, hein, du pied gauche. Et c'est encore repris tranquillement par Ben Molina. Ça. Et oui, les arbitres. Cette qualité de jeu là, au point qu'on tire là, de celui qui est devenu un des piliers là, des Canuts de Lyon. Il s'est frappé. Quel mène au tir hein, de l'équipe Morel, ils auront frappé 5 fois. Très belle mène, hein, là, aucune boule gâchée. Et il compte certainement sur le carreau de Dylan Cano pour parvenir à marquer. Là, là, il est parti bien sur la gauche. Ça sera, il a quand même coupé les autres points. Ça sera un seul point. Pour Morel. C'est ça. Alors qu'on a considérablement rallongé. Ah, c'est bien entamé encore. Cinq sur huit pour Tyson Molinas.
Ah, c'est une partie équilibrée. Si on accepte la quatrième main, là où ils sont un petit peu passés à travers les Molinas. Oula, il est ton. Il a frappé dur, on l'a. Oui, frappe très dur. Ouais. Une boule qui est sortie du cadre. Vous l'avez vu. Voilà, il a une très jolie main, hein, de Tyson Molinas. Pierre Morel qui peste encore sur sa boule manquée. Hein. Ah bah c'est, oui, parce que c'est comme s'il avait fait un trou, quoi, parce que elle est complètement, il a complètement rendu cette boule-là. Au point, c'est assez rare, hein, quand on est pointeur, on n'aime pas beaucoup vivre ce genre de mésaventures. Ça ne veut pas dire qu'elle était mal jouée, Stéphane, parce qu'elle a tapé très très dur cette boule. Allez, Ben, en frappant, là, il laissera deux boules à une pour Vigo Dubois. Ouh, juste sauter. Allez, il y a encore assez de boules hein, pour faire une belle main. Et oui, Vigo Dubois qui aurait préféré avoir deux boules pour en tirer une, alors que là, il va être obligé certainement de tirer deux fois. Oh, c'est très bien tiré. Vigo Dubois, si je me rappelle bien, qui avait atteint les demi-finales à Bastia l'année dernière et qui avait joué au poste de milieu. Je me rappelle, il avait fait un festival au tir. C'était d'ailleurs fait un petit peu chambré par ses amis et partenaires, parce que c'est vrai qu'on le connaissait plus, enfin on le connaît plus dans la position de pointeur de tête, et il avait fait vraiment gros jeu en milieu, notamment au tir. Il en est capable. Je me rappelle l'avoir rencontré il y a très longtemps dans un petit concours, et il faisait le tireur. Et alors en plus là, il a vraiment amélioré le point hein, de 30 cm, donc... Jean-Pierre Pellielot, qui vous
En fonction de la boule de jouer Casal, il va peut-être s'assurer le point. Ah non, c'est repris, magnifique. Hein. Oh, il a failli embouchonner. Allez, c'est sur celle-ci hein, qu'il faut faire l'effort pour rendre la main subite tout à l'heure. Ce n'était pas tout à fait droit, ça sera un point pour Morel. Qui met la présence 7-4. Il n'y a pas de conséquences hein, pour Pierre Morel qui a pesté jusqu'à la fin de la main sur son point manqué. À 4 pour Morel à l'issue de cette sixième main. Il faut espérer que ça ne sera pas une main hein, qui vont regretter l'équipe Molinas à la fin de cette partie, parce qu'il y avait 4 voire 5 au carreau. Oui, mais en tout cas, il a vu que ses adversaires sont décidés à beaucoup tirer Morel et du coup, il maintient le bouchon assez loin, le pointeur de Montposa du Quercy. Pardon. Qui avait le poids mais qui est resté un petit peu sur le côté, 60 de côté. Ah, c'est vraiment une très belle partie de pointeur là Stéphane, hein, dès que l'un des deux s'écarte un petit peu, l'autre regagne immédiatement. Ça régale. Voilà, un petit déplacement de bouchon sur cette frappe de Joey Casal. Qui devrait permettre encore plus à Vigo Dubois de reprendre l'avantage. Et jouer Casal hein, qui maintient son bon pourcentage, 9 sur 11. Ouh là là, cette boule était jouée un petit peu basse. Là, j'ai un peu vendu la peau de l'ours là. J'aurais pas imaginé que Vigo puisse faire. Cette faute-là, il avait, on pouvait jouer presque un mètre à gauche de la boule de Morel. Et du coup, on envoie Tyson au tir. Alors qu'on a la visite du patron de Supranational, Fabrice Sennini. Chaque fois.
Magnifique reprise pour Ben Molinas. Allez, jouer Casal. Hein. 9 sur 11, la belle moyenne de tir. Surtout qu'on a joué quand même très très loin, hein, pratiquement à chaque main. Et un peu comme toi, Pierre, tout à l'heure, hein, je vantais les mérites de jouer Casal et c'est à ce moment-là qu'il fait un trou. Ah, il ne faut jamais le faire. On va arrêter. Allez, malgré qu'ils aient encore 3 boules en main, cette boule un petit peu derrière, donc on estime qu'on peut le gagner, mettre une boule un petit peu en contre. Ah, c'est fait. Elle a dû rester un petit peu dans la main celle-ci. Hein. Elle a failli tomber sur le but. Allez, une boule de chaque côté. Le point pour l'équipe Molinas. Elle était un petit peu basse à la boule de canon. Allez, boule de rajout pour Ben Molinas. Possibilité de recoller au score. C'est très bien joué. Est-ce que le petit coup de tête au bouchon a suffi à ce qu'il puisse en faire deux? On va le savoir. Je pense que non. C'est ça, un point. Ouais, c'est confirmé, un point. Réduction du score, hein, légère. 7-5 pour l'équipe Morel et on va démarrer la 8e main. Belle entame pour
va attendre. Et on décide de tirer, on a raison. Alors qu'on patiente en attendant le tir de Diego Rizzi dans le carré voisin. Alors c'est frappé, la boule de Casal est restée en jeu dans le carré voisin. Donc à Dubois de jouer. Allez, c'est presque la même, de toute façon on va les tirer. Est-ce que... Oui. Alors, il a fait passer Joël Casal, mais il n'a qu'un point au sol. Aïe. Un chouïa long, hein. Il est quand même très bon son point. Hein. Oui. À 35 cm. De là à faire tirer, c'est pas sûr. On peut hésiter. Alors Pierre Morel, il a très très bien joué depuis le début. Il se sent de le gagner. Et en le gagnant, il pourrait regagner une boule. Gagner une boule tout simplement. S'il obtenait un contre. Alors tout ça c'est des si, il faut déjà gagner le point. Ah, c'est fait, c'est fait. Ah, bah je crois qu'on va... Il est affûté comme un rasoir, Pierre Morel, après 4 jours passés au sein du Parborelli. Et voilà. Et le bouchon est dehors. Ça sera toujours 7 à 5 pour Morel face à Molinas. Alors c'est bien envoyé, ça sera un petit peu court, doit rester au moins 60 cm à Morel pour passer et reprendre le point. Ah, évidemment 60 cm devant, 60 cm derrière. Ce qui fait 1m20. Bravo Stéphane, merci d'avoir sorti ta calculette. On pourrait presque dire que ça posera pas de problème pour Pierre Morel, mais... Ça ne le dit plus, hein, depuis... Hein, voilà, c'est fait tranquillement. Non, il reste vraiment très constant hein, depuis le début de la partie.
Et une nouvelle annulation sur cette frappe de Tyson Molinas. Alors que le temps reste changeant sur le nord du Vaucluse. Exactement, on n'est même pas dans le nord du Vaucluse, on est dans le sud de la Drôme, mais Valréas, c'est une enclave qui date du temps des papes et qui a été conservée lorsqu'on a créé le département. Dans ce département de la Drôme, la Valréas occupe une place à part, puisque cette ville et cette commune fait partie du département du Vaucluse. Merci Pierre pour cette leçon de géographie. Avec plaisir. Qui était longue, mais avec le petit déplacement de bouchon qu'on marque à nouveau, bien entendu. Le point de Vigo du Bois est bon. Morel qui fait une partie quasi parfaite pour l'instant. Et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué de faire la reprise. Hein. 9 sur 13 hein, pour Ty Molinas. Alors il se sent bien Morel. Hein. Il est en train peut-être de. Il est en train d'essayer d'imposer son point de vue. C'est pas non plus un garçon qu'on a envie de contrarier, donc. Gagner, ça serait vraiment l'idéal. Venir en second, ça serait très très bien aussi. Gagner, ça serait énorme parce que le point est à 20 cm. Déjà, il faut que, pour justifier sa décision, il faut absolument qu'il ne perde pas le deuxième point. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. Ah, il se sent vraiment bien. Il impose par son jeu et sa parole. Hein. C'est ça. Ah ben là, on n'est pas dans le domaine politique, hein. Quand on promet, il faut tenir. Hein. Ah, oh là là, et là, c'est parfaitement trié. Vous pouvez s'attendre à avoir un contre Tyson Molina, c'est un croisant comme ça, ça ne s'est pas produit. Et on se charrie hein, entre Pierre Morel et Tyson Molina. Vous le voyez, on est... Tout ça, ça se passe dans un excellent esprit. Ah, j'ai cru qu'il faisait le devant de boule. La boule s'écarte au dernier moment. Ah, c'est un petit peu le danger quand on construit une main comme ça, c'est que ensuite on s'enferme un petit peu si on ne provoque pas les contres. Alors on ne voit pas exactement s'il a laissé un ou deux points à Dylan Canon. Mais de toute façon, cette boule qui est en contre, on va continuer à pointer maintenant. Avec toujours cette grosse difficulté là, qui consiste à essayer de gagner ce point, pas ingagnable, on l'a vu, mais très difficilement gagnable. Bon, c'est bien joué, c'est très bien joué. Perfection. La boule idéale.
En tout cas, une forme de main qui correspond un peu à cette équipe, parce que Pierre Morel, on le voit toujours au poste de pointeur, mais on voit aussi très souvent Dylan Cano au poste de pointeur, avec beaucoup de rendement. Il peut se passer plein de choses, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a peut-être fait le point sien. Belle Molina. Non, je vois qu'on bouge pas quand même, hein, du côté de Morel. En tout cas, manque à tout, il a déplacé le bouchon. Donc le point est à Morel. La boule qui est derrière est à Molinas. Et la boule qui est en troisième position, elle est à Cano. Et là, Bigot Dubois va essayer de rentrer encore une fois dans le bouchon. En le roulant un tout petit peu, il peut se faire le point. Ou deux points, pourquoi pas. Oui, il peut légèrement aussi béquer la boule devant et la... Tout ça, ça se fait dans un mouchoir de poche. Bon, c'est bien joué, c'est très bien joué. Ah, quel duel de pointeur, hein, tu le disais tout à l'heure, mais là, ça se confirme encore sur cette main. Une boule qui n'est pas très très belle pour attirer pour Joey Casal. Il est gaucher. Il peut très bien tirer et casser la sienne devant. Il va falloir faire du chirurgical. Oui, c'est superbe. Ah, ça joue fort cette main, hein, Stéphane. Oui. Un tout petit déchet au point de... Dylan Cano et encore de pas grand chose, sinon c'est que des boules jouées. Il y a aussi le petit trou de Ben Molinas, mais... Et on a choisi de tirer. Bien droit, elle passe seule, hein. Après ils auront une boule... un petit peu en devant de boule, donc ah, il avait tiré comme il faut sur l'oreille gauche. Ça fera 3 points. 3 points. Et Morel qui se détache maintenant. 10 à 5. On est déjà première équipe qualifiée pour les prochaines demi-finales de ce supranational, c'est celle de club de Bron de Sario, Ndiaye, André Nceno qui ont disposé de l'équipe de France de Puccinelli, Montoro et Monros.
Ah, c'est la première fois hein, qu'on semble pas tout à fait d'accord sur la tactique du côté de l'équipe Molinas. Apparemment, c'est Vigo Dubois qui l'a emporté. Ah, c'était difficile ce qu'il tentait Vigo Dubois. Il jouait sous la pente. Hein, Là, c'est jamais bon hein, quand on discute dans une équipe que quelqu'un s'impose et qu'il rate son coup. Ça fait douter et un peu agacer ses partenaires. Et Ben qui en rajoute une petite couche avec Vigo. Voilà, un petit conseil de famille. À distance. Ah, c'est encore parfaitement joué. Plus rien ne devient impossible hein, pour Pierre Morel. Ah, on qui nous régale, hein, vraiment au point. Ah, oui, oui, oui. Une très très grosse partie. Quand un pointeur fait une partie comme ça, c'est il met son équipe sur orbite. Et c'est le cas pour l'instant au score. Sur 16 hein, pour Tyson Molinas, c'est-à-dire 75% de réussite avec beaucoup de carreaux et de petits palets. En tout cas, une belle opposition, Stéphane, hein, entre une équipe qui aime beaucoup tirer, celle des Molinas, et puis une équipe où il y a finalement deux pointeurs et qui nous régale au point. On a un petit peu Buzz Lecaire contre la force tranquille. Et voilà. Voilà, il n'y a qu'à les jeter. Comme on dit à Montluçon. Exactement, c'est il n'y a qu'à les jeter. Ah, c'est bien tiré encore. On détruit du côté des Molinas, mais on aura quand même du mal à marquer, je pense. À moins d'un carreau. C'est gagné encore, magnifique. Allez, ben, il serait bien inspiré de frapper parce qu'après jouer Cazel qui a très peu pointé, on n'aura pas forcément la tâche facile. Oh, c'est très très bien. Il a reculé dans sa boule. Il peut encore garder l'espoir que une boule soit réformée par Joey Cazel. Et voilà, elle jouait beaucoup trop basse celle-là.
La même. Encore, et encore. Et pire. Oh là là. Alors, il y a très très bien tiré le champion du monde jeune tout au long de cette partie. Mais là, il vient de procurer l'occasion au Molinas de remonter complètement dans le match. Je pense qu'il n'y en a que deux. Donc ça va faire au moins 3 points sur ce beau rajout là. Alors on va vérifier, c'est 3 ou c'est 4. 3. Elle est partie relancée, elle n'était pas totalement terminée, mais elle est bien relancée avec ses 3 points. Alors inattendu, mais mérité quand même, hein, parce qu'il y a eu 4 frappes superbes là, de Tyson et de son père. Il n'en manquait que la première boule, hein, où ils avaient décidé de pointer. Et ensuite, ils ont frappé 4 fois, hein, donc effectivement, avec des petits palets qu'on comptait. Allez, les cartes sont quasi redistribuées. 10 à 8 pour l'équipe Morel. On démarre la 12e main. Alors, une boule qui est quand même un petit peu en arrière. Elle est à 60 cm derrière le bouchon. Donc, on va évidemment pointer. Il pointait, c'est moins gênant. Mais bon, t'as raison. Il vaut mieux. Et on va jouer la 4e boule du côté de la famille Molinas. Avec une main qui devient dangereuse pour elle. De tirer le bouchon. Alors là, c'est un kit au double, hein, parce que il n'a plus qu'une seule boule pour le faire, Ben Molinas. Et c'est manqué. Ouais, il avait augmenté un petit peu la mire, là, mais un peu haut. Et il a même frappé une des boules de Vigo au passage. Voilà de quoi peut-être enterrer les espoirs de cette belle équipe de Lyon. Alors il a peut-être donné 2 points à Tyson. Il va donc falloir frapper 2 fois pour gagner. Voilà une première frappe de Casal qui a maintenant
Carreau gagné. Ouais, ou même frappé, je crois que ça suffirait. Voilà qui ne devrait pas. Ouais, on ne joue même pas. On ne joue même pas puisque c'est terminé maintenant dans ce match avec la victoire de Pierre Morel, Joey Casal et Dylan Cano face à une belle famille Molinas. C'était un quart de finale de Supranational de Valréas. On va vous rejoindre cet après-midi à 14h, je pense, je vais demander la confirmation, oui c'est ça, à 14h pour suivre avec nous une des demi-finales de cet international. On connaît maintenant un nouveau demi-finaliste, je vous le rappelle, c'est Joey Casal, Pierre Morel et Dylan Cano. Ils sont en demi-finale ici à Valréas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, un petit renseignement au sujet du problème de connexion ce matin. Donc a priori, je pense que hier soir, il y a eu des orages sur Valréas et sa région. Et je pense vraiment que c'est une antenne qui a eu des soucis, puisque nous, quand on vient, on vérifie la proximité des antennes. On dispose de trois opérateurs différents, hein, vous les connaissez. Et donc là, vraiment, les trois étaient tombés. Toutes les personnes autour du carré, pareil, étaient dans la même situation. On avait même du mal à envoyer des photos. Donc là dans ces cas-là, on ne peut vraiment rien faire. C'est pour ça qu'on vous avait quand même proposé de vivre avec nous ce direct là, on ne pouvait rien faire. Il y a une solution qui serait envisageable, mais alors là pour nous c'est hors de prix. Ce serait la possibilité de mettre en place une captation par antenne satellite, et là on serait plus tributaire de ce genre de choses, même si franchement on pouvait rien faire pour aujourd'hui. Il n'y avait vraiment pas de possibilité. Voilà les amis, et donc cet après-midi je pense qu'on est en direct jusqu'au bout. Salut. 14h. À tout à l'heure. 14h pour une demi-finale de ce Supranational de Valréas. Bon appétit à tous.